Donc du coup, pour faire le remplacement de votre guidon, c'est relativement simple. Il vous faudra que deux outils, nous trois, parce que Brian a changé son frein, donc il faut s'adapter. Vous aurez besoin d'un cruciforme qui servira principalement par rapport justement à la pièce qui permet de régler le mode sport, clignot, etc. Je sais pas comment on l'appelle. Ouais, Voilà, donc c'est vous pas aurez grave. besoin du cruci que pour ça. Et sinon, tout va se faire à la clé Allen de 4, qui est normalement dans le kit de base, donc vous n'avez même pas besoin d'en acheter. Ce qui vous permet justement de faire montage, démontage facilement et simplement. Bon, on va s'attaquer du coup d'abord au démontage, hein, parce qu'avant de pouvoir mettre le nouveau, il faut démonter l'ancien. Moi, j'ai une petite préférence, c'est de tout dévisser déjà partiellement et avant de vouloir enlever le guidon, parce que je trouve que c'est plus simple. Donc, je fais comme ça. Pour ça, du coup, comme j'ai dit, la clé Allen de 4, et puis bah, c'est parti pour dévisser. Hein. Voilà, c'est libéré. Et ensuite, je passe du coup au tournevis cruciforme pour justement cette pièce-là. Vous allez voir, vous avez deux vis en dessous qui sont en diagonale, comme ça, qu'il faut dévisser pour pouvoir accéder à la pièce. Une là, voilà, et une autre juste là. Voilà. Et pareil, maintenant la pièce est libérée. Maintenant que j'ai fait un premier desserrage, je vais commencer justement bah, à démonter le maintien du guidon. Pour ça, je vais enlever donc toute la partie compteur. Aïe. En dévissant les deux premières vis à l'avant ici, celle-là, ici et celle de l'autre côté. Je sais pas comment s'appelle cette pièce quoi. Ce qui est autour de la potence finalement. Pareil, pas besoin de dévisser les vis complètement. Le plus important en fait, c'est juste de desserrer légèrement pour libérer le compteur. Là, vous voyez, hop, le compteur part et on est tranquille et on va pouvoir s'attaquer comme ça aux quatre vis qui sont devant, si Brian veut bien légèrement se décaler. Voilà, pour les quatre vis ici qu'on va enlever. Voilà, nous avons enfin libéré le guidon. Retirer cette petite pièce-là. Et on va pouvoir commencer à enlever bah, tout simplement toutes les parties. Hein. Donc c'est bon, on a maintenant libéré notre guidon et on va pouvoir le remplacer Ouais. par le nouveau, etc. Bon, celui-là est neuf, du coup on remet le même. Celui-là est neuf, on va le remettre. On peut quand même faire une petite comparaison avec ton ancien guidon peut-être. Oui, on peut, on peut, on peut. Voilà donc un guidon neuf et voici l'ancien guidon de Brian. Comme vous Ouais. pouvez le voir, il y a une petite différence J'ai un petit au peu niveau tordu de mon guidon. l'alignement. Maintenant que tout est démonté, on va pouvoir attaquer le remontage. Et la chose finalement la plus importante à surveiller, c'est de réempiler dans le bon ordre pour ne pas vous faire avoir justement au niveau du montage. Et ce qu'il va falloir surveiller surtout, c'est ici en fonction de la position donc, de votre cintre, vérifier que vous êtes bien aligné et ensuite avoir choisi du coup la position Ouais, qui qui vous convient le convient le mieux. mieux. D'ailleurs, pour tout ce qui est réglage du poste de pilotage, c'est-à-dire l'inclinaison du guidon ou cintre, l'inclinaison du levier, etc. On a également une autre vidéo qui va arriver, je vous l'afficherai aussi dès qu'elle sera disponible. Et comme ça, vous pourrez savoir quelle est pour vous la meilleure manière de régler votre poste de pilotage. Pour les vis ici de l'axe central, je peux dire, enfin du serrage central, mettez-les, mais justement ne vissez pas trop et allez-y progressivement pour que ce soit plus simple à mettre, justement, tout simplement. Là, vous voyez, j'ai mis les quatre vis, mais j'ai pas serré, ce qui permet ensuite de pouvoir bah, plus précisément refaire son réglage, l'alignement, etc. Si vous avez un peu de mal avec vos vis, pour les remettre ou autre, je triche un peu quand c'est comme ça et je mets un peu de lubrifiant à chaîne sur le bout de la vis. Ça peut vous aider à visser si elles sont justement peut-être un peu abîmées, un peu sèches et que vous galérez à les revisser. Et ensuite après, vous avez plus qu'à revisser. Moi ici, ce que je fais, c'est que je surveille la distance de câble justement que ce soit pas tendu comme ça parce que c'est pas fou. Et en fait, je donne juste suffisamment de distance au câble pour qu'il puisse suivre le guidon et ensuite mettre un serflex qui viendra bloquer la gaine sur le cintre et faire en sorte que tout soit maintenu. Pour la disposition des câbles, regardez un peu aussi comment c'est fait chez vous parce que selon comment a été montée votre moto, vous pouvez avoir des différences entre bah, le positionnement des câbles et ça va peut-être agir sur où vous devez les faire passer justement au niveau de votre compteur. Dans le cas de Brian, eux, ils sont en dessous comme ça du compteur.
Donc je les remets dans leur position. Je refais glisser ici la pièce métallique sous les deux vis. Et j'ai plus qu'à resserrer avec la clé Allen. Et on sera revenu à la position initiale. Eh bien parfait. Merci bricoleur Sébastien. De rien.